Quel est l'intérêt aujourd'hui, au XXIe siècle, de lire Delphine de Girardin ? Oh, je vais exprimer un avis personnel puisque je suis historienne. Un des intérêts majeurs, c'est de faire revivre et de l'intérieur une époque, le début du XIXe, qui est une époque extrêmement intéressante sur le plan politique, sur le plan littéraire, sur le plan social, et qui est très peu connue. Madame de Girardin a vécu plusieurs révolutions, plusieurs régimes politiques. C'est extrêmement intéressant de retrouver son époque par finalement son témoignage. Mais je pense qu'il y a une autre raison qui est peut-être plus difficile à cerner et à définir, c'est que Madame de Girardin, c'est l'esprit français dans toute sa splendeur, un esprit qu'il devient difficile de retrouver quelquefois dans les écrits ou dans la presse, et dont elle donne une démonstration parfaite, notamment dans ses chroniques parisiennes.